Pour réaliser le montage modélisant une lunette astronomique, vous aurez besoin de 4 lentilles. Une pour créer l'objet à l'infini, une pour l'objectif de la lunette, une pour l'oculaire de la lunette et une dernière pour modéliser l'œil. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairez l'objet uniformément. Pour créer l'objet à l'infini observé par la lunette, on place l'objet dans le plan focal objet d'une lentille grâce à la méthode de l'autocollimation. À l'aide d'un miroir accolé à la lentille, on fait l'image de l'objet dans le même plan que ce dernier. Pensez à dépasser l'image jugée nette pour y revenir pour plus de précision. Puis, on place un écran en bout de banc optique pour modéliser la rétine de l'œil. Faire l'image de l'objet sur l'écran à l'aide de la lentille de courte focale modélisant le cristallin de l'œil. On ajoute ensuite l'objectif de la lunette astronomique au plus proche de la première lentille pour ne pas perdre en luminosité. Pour placer l'oculaire, déterminez à l'aide d'un écran la position de l'image. Puis, ajoutez environ la distance focale de l'oculaire et le placez. Ajustez la position de l'oculaire pour faire la netteté. Le montage est maintenant complet. Nous avons créé un objet à l'infini, puis modélisé une lunette astronomique qui observe cet objet, et enfin modélisé l'œil qui observe l'objet sans accommoder à travers la lunette astronomique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo est en Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.